Yo les gars, c'est Ainsi, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Black Clover Mobile et on va faire la petite invocation sélective. Donc normalement, tu as un nécessaire, je crois. On va voir ça, les gars. Je me suis pas trop spoil, je connais pas le jeu énormément, mais normalement, on a un nécessaire garanti et on peut le choisir. Donc, let's go et puis on va voir hein, ce qu'on a. Ok, pour l'instant, c'est une multi classique. Ok. Enfin, je veux dire, c'est la même animation qu'une multi normale. Ok, on a un livre qui brille de fou. Violet ou légendaire. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau en premier? Oh, il est trop mims avec son petit bonhomme de neige. Alors, ce qu'il nous faut, les gars, les R, on s'en fiche, puisque tous les personnages R sont nuls normalement. Par contre, en SR, il y a deux personnages qui sont plutôt forts. Donc, j'espère qu'on va les avoir. Je reconnaîtrai lesquels c'est quand on les verra. Et dans les SSR, je sais plus trop. Je sais qu'il y en a un qui est pas mal, mais on verra. Ok. En deuxième, on a Salim de H-Pash-Pash-Pash, Parapash-Pash. Le nom trop compliqué. Ok. On continue avec qui? Sek Bronzaza. Bon, je vous préviens, les gars, j'ai pas vu l'animé, donc je connais pas trop trop. Ah, on a aussi des compétences. Je pensais qu'on allait avoir juste des persos, je me suis dit incroyable, mais on a aussi des compétences. Après, les compétences, c'est cool aussi, faut pas négliger. Est-ce qu'il y a des compétences SSR? Je crois que oui. C'est-à-dire, imagine, t'as une compétence au lieu d'un perso. Je pense que t'as le seum de fou. Ok, bon, les compétences, on les skip, les gars, parce que ça m'intéresse pas. Déjà, les persos, c'est galère à comprendre. Non, une compétence violette. Ah non, bleu, ok, SR. Bon, pourquoi pas. J'ai eu peur, j'ai cru qu'on avait un SSR compétence. D'ailleurs, le son n'est pas très fort, je crois, pour vous. Désolé. Donc, un personnage, qu'est-ce qu'on a de beau? Un bouclier. Ok, donc ça, c'est un nécessaire, je pense. Ok, on a Lotus des Abysses. Alors, ne bougez surtout pas, les gars. Je regarde sur ma petite tier list s'il est bien. Oh! Bah, apparemment, c'est l'un des meilleurs personnages en technique. Ok. Bah, je vais pas me plaindre alors. On continue. Un petit taureau. Ok, on a Luke. Ok, bah c'est l'un des meilleurs persos du jeu apparemment, selon ma tier list. Tant qu'il vous reste des possibilités d'invocation, vous pouvez lancer des invocations sélectives à tout moment. Enregistrer les résultats. Vous pouvez enregistrer les résultats d'invocation actuels en touchant enregistrer les résultats. Ok, on enregistre. Les résultats d'invocation ont été enregistrés, confirmés pour obtenir les mages et les pages de compétences de ces résultats-là. Non, du coup. Ok, bon, on va continuer, les gars. On va continuer, hein. Je crois qu'en gros, ta multi infinie. En fait, c'est comme One Punch Man. Ceux qui ont testé One Punch Man, la CBT, la bêta, j'avais fait une vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Et bah, t'avais une invocation infinie sur One Punch Man. Enfin, c'était pas infini, je crois, mais vous avez compris. Et en gros, tu devais sauvegarder les meilleures multi pour choisir celle que tu veux à la fin. Donc c'est à peu près pareil de ce que j'ai l'impression. Ok. Et sur Danmachi Battle Chronicle, pour le coup, c'était une vraie multi infinie. En gros, tu pouvais faire des multi à l'infini, à l'infini, à l'infini, jusqu'à ce que tu aies tout ce que tu veux. Bon, évidemment, faut de la chance, etc. Mais tu pouvais vraiment faire à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et c'est incroyable. Mais du coup, là, c'est pas ça. C'est plus comme One Punch Man. T'as 20 multi. Et puis tu vois les meilleurs qu'il faut faire. Ok, bon les gars, je vais pas vous mytho, on va skip un peu. Hop. On skip, on skip. Ok. Donc il y a un SSR. Je sais pas si c'est garanti un SSR. Oh! Hey, il est joli. William Vengeance. J'aime bien son masque. William Vengeance, il est S dans ma tier list. Moi les gars, je ne vis que pour les tier list. Donc ça veut dire que il est bien, mais pas mieux que celui d'avant. Est-ce qu'on peut l'enregistrer, vous pensez? Enregistrer? Vous pouvez enregistrer le résultat et supprimer l'ancien. Ah bah non alors. Mais je pense qu'on va garder l'ancien, les gars, pour l'instant. Peut-être que je fais un choix de merde, mais dans ma tier list, l'autre était meilleur, les gars. Donc on va laisser l'autre. On va laisser l'autre. Ok, il a ouvert son œil, je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Un nécessaire encore. Je sais pas s'il peut y avoir des baits, etc.
Bon, on va skip, les gars, on va skip, on va skip. Oh là, pour l'instant, wesh, 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 wesh! On a eu que des compétences R. Encore lui, mais c'est une dinguerie. Bon, du coup, on va pas prendre celle-là parce que celle d'avant, c'était le même perso. Et en plus, bah, c'était mieux. Ok, on continue. Il ouvre encore son œil. Ok, waouh! On a plein de desserts là. Incroyable. Ok, un petit R. Ça, c'est un SR. J'ai pas vu en fait, j'ai skip. J'ai skip comme un trou de balle, les gars, désolé. Ok, des compétences. C'est quoi, c'est un SR ça? Ok. Encore la même. On a la madame. Celle-là, elle est forte, je crois. Donne-moi la satisfaction de découper en tranches. Ok, un nouveau perso déjà. Oh, il est stylé. Jack l'éventreur. Incroyable. Alors, je vais regarder sur ma tier list encore. Et Jack l'éventreur. Ah, malheureusement. Ah, il est B. Dans ma tier list, il est B. Donc, c'est dire il est pourri. Ok. Dommage parce qu'il y avait plein de persos. C'est vraiment dommage. On continue, les gars. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est deux SSR, honnêtement. Ok, on continue. On va skip, on va skip. Ok. Un seul SSR. Si on a deux SSR, les gars, même s'ils sont nuls à chier, je prendrai la multi. Même si l'autre c'est un bon perso, je préfère avoir deux SSR plutôt qu'un bon SSR. Vous voyez ce que je veux dire? Après, chacun ses choix, mais moi c'est comme ça que je vais faire en tout cas. Mais après, il faut avoir la chance d'avoir deux SSR. C'est pas donné à tout le monde. Brûle dans les flammes pourpres. Ok, attention, c'est qui? Oh, il est stylé. Il s'appelle Fuego Leon. Et je regarde sur ma tier list encore une fois. Ah, il est A. Ah, c'est pas dégueu, A. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut encore mieux. Et on a eu plein de persos par contre. Par contre, il est stylé sa carte, attends. Et c'était comme ça les cartes des autres? Noir et orange comme ça? J'ai peut-être pas fait attention. Ok, on continue. Ok. Je vais vous dire d'ailleurs, on aimerait bien voir qui. On aimerait bien voir Yami, Mars aussi. Ok. Pour l'instant, des petits persos. Ok. Ok. Pour l'instant, là, cette multi, elle a l'air un peu flopesque. Ouais, très flopesque même. Ok, bon, lui, on connaît, du coup. C'est le même qu'avant. Je me demande si c'est les 4 mêmes persos. Ou si, ou s'il y a d'autres persos, les gars. Genre en mode, est-ce que tu peux avoir tous les SSR du jeu? Ou uniquement quelques-uns de la perma, etc. J'aurais dû me renseigner sur, sur les détails de la bannière. J'ai complètement troll. Parce que là, j'ai fait la multi, frère. Mais en fait, j'ai même pas eu le choix. Je crois qu'ils m'ont forcé le jeu. Le jeu m'a forcé à faire la multi. Donc, j'ai même pas le droit de regarder les détails. Ils m'ont mis sur la multi direct. Ils m'ont dit, allez, fais ta multi, toi. Donc, bon. C'est pour ça qu'on est là. Ah, bah non, regardez, il y en a un cinquième encore. Donc, ok. Ok, Sally, je vais vous dire si elle est bien. Elle est à chier. Non, elle est A. Elle est A, mais c'est une single target, apparemment. Mes soutiens y a marqué. Ok, il y a aussi le fond noir comme le mec d'avant. Ok, bon, on continue les gars. De toute façon, je vous dis, on va faire les 20 multi. C'est sûr. Attends, je vais juste tester un truc. Qu'est-ce qui se passe quand on fait passer? Bah, il se passe rien. Ok. Je pense que ça passe juste le truc du début. Ah mince, j'ai skip son animation à lui. Ok, des petites. Oh, quand il y a plein de compétences comme ça, tu sais que la multi elle est pourrie déjà. Parce que moi je kiffe avoir plein de persos. Ok, c'est un nouveau celui-là, je crois qu'on l'a jamais vu. C'est pour cela qu'il est le rival. Oh, joli aussi, Léopold. Fais voir, il est quoi? Ah, il est B lui. Encore moins bien que les autres. Ok, oula, dommage, où est-ce que j'ai appuyé? On continue, let's go. La vidéo va être tellement longue, les gars, je suis désolé, donc on va skip. Sinon, frère, la vidéo est interminable. On peut skip en haut à droite? Ouais. Ok, seuls les forts survivent. Oh, mais c'est lui, non? C'est Mars. Ok, du coup, on a une bonne multi ou pas? Franchement, elle est bien, attendez. Enregistrée. Eh, franchement, elle est bien. On a eu plus de persos. Là, on a une compétence SR. Mais le problème, les gars, c'est que je sais pas si Mars, il est mieux que l'autre. J'en ai aucune idée. Je vais regarder en détail, attendez. Apparemment, ils sont à peu près pareils. S+, S+. Il y en a un, c'est un défenseur, l'autre, c'est un debuffer. J'ai pas envie de faire de la merde, les gars.
Attendez, on fait une pause dans la vidéo et j'arrive. Je vais me renseigner. Ok les gars, j'ai regardé un peu partout et les deux persos sont vraiment du même tier. Genre j'ai regardé des tier list même sur YouTube et les gens ils mettent les persos égalité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le premier parce que c'est un debuffer. Donc je préfère debuff les ennemis personnellement. C'est plus offensif de debuffer des ennemis plutôt qu'avoir un défenseur. Parce que j'imagine que lui c'est un shielder. Donc malheureusement, au revoir mon pote. On continue. Hop. J'espère que j'ai fait le bon choix, vous me direz dans les commentaires, hein, mais... Normalement c'est good. On va passer les multi les gars, parce que sinon, vas-y, ça va durer 3 ans. Encore Mars. Oh! Oh non, j'ai eu peur. Oh, j'ai cru qu'on avait eu 2 SSR, c'est une dinguerie. Je pense qu'on a eu plein de persos là. Ça me donnerait presque envie de prendre Mars. Fais voir. Ah ouais, on a eu plein de persos. Attendez, je veux juste regarder si c'est lequel le SSR. Ah bah c'est lui. Fineral et Nebra, il nous faut. En SR. Bah vous savez quoi les gars? Vous savez quoi? On va enregistrer. Je préfère avoir des SSR que des persos plutôt que des cartes. On sauvegarde. J'ai quand même dit il y a 2 secondes, je préfère avoir Lotus que Mars, mais j'ai sauvegardé Mars. Je suis vraiment un handicapé. Mais vas-y, c'est parce que il y avait 2 persos SR avec Mars, et comme ça me fait des persos en plus. Et en plus Lotus y revient, donc si jamais on a des bons persos avec lui. Et malheureusement non, on n'aura pas eu des bons persos. On en a eu plein par contre. Mais donc on a eu le meilleur SR, le meilleur SSR pour l'instant. Mais c'est pas encore assez. Il nous faut plus. Non, pas toi. Pas toi. Ok, qu'est-ce qu'on a de beau là? Ah, on a eu Finbral ou je sais pas quoi. Non, c'est qui lui? C'est l'autre Finral. Lui, c'est Nebra. Ok. Bah, Nebra, je t'aurais bien pris, mais malheureusement, le SSR n'est pas ouf. Ok, encore un seul. Bon, déjà, on est sûr que c'est un SSR garanti à chaque multi. Oh, lui, on l'a jamais eu. C'est qui? Fais voir. Destroy. Oh, il a l'air incroyable, attends. Oh merde, j'esquive comme un trou du cul. Oh, il est incroyable. Il est S. Il est S. Ok. Et c'est plus un perso PVP. Ok. Et en plus, il y a Nebra à côté. Donc c'est très bonne multi, je pense. Mais malheureusement, Mars est devant. Ok, on continue. Toujours un seul SSR, malheureusement. On n'a pas de chance. C'est le pote d'Asta? Non. Quand j'ai vu le mot rival, j'ai cru que c'était lui. Ok. On continue du coup. Let's go. Oh, pas mal de serres. Ouais. Du coup. Je crois que je vais pouvoir peindre un chef-d'œuvre. On l'a jamais vu celui-là non plus. Oh, il est trop mims. Real. Fais voir s'il est bien. Ah, il est. C'est un personnage A. Ok, pas mal. En vrai, c'est pas dégueu. Oh! What? 2 SSR? OMG. Fais voir. Putain, je l'esquive sans faire exprès. Mais c'est une compétence. Ah, les gars, je sais pas ce que je fais. J'avais dit si j'ai 2 SSR, je prends. Ah, je sais pas. Il est bien ou pas, lui? C'est un défenseur. Vous savez quoi, les gars? Hop, on y va direct. Hop. Je sais que si j'aurais trop réfléchi, je l'aurais peut-être pris. Donc, je réfléchis pas, je l'esquive direct. Comme ça, on peut pas revenir en arrière. Peut-être que j'ai fait la mauvaise décision. Mais je voulais pas avoir un nécessaire. Un co-nécessaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre multi, en fait, elle était trop bien. Il y avait Mars, qui est l'un des meilleurs persos. Avec un SR aussi très bon. Donc, je préfère largement ça plutôt que 2 SSR. Malgré que ça soit une compétence SSR et que ça se trouve, c'était une très bonne compétence SSR, tu vois. Oh, 2 SSR encore! Encore une compétence. Ouais, mais c'est pareil, les gars. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Si on a deux persos SSR, là par contre, je m'engage à prendre la multi direct. Mais une compétence SSR, je peux pas, je peux pas. Ok, on continue. Ok, le vieillard, je sais plus c'est qui. Ah, c'est lui! Ah mais lui il est bien. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième? Non, dommage. Oh! On a eu lui. Oh, on a eu plein. On a eu 1 milliard de persos.
C'est mieux que l'autre, non? Ouais, c'est large mieux. Ok, bah on sauvegarde. Ok, il nous reste deux tentatives, let's go. Pour l'instant, c'est pas Mars, c'est Lotus qui repart avec nous. On a fait que d'alterner, c'est trop drôle. On a fait Mars, Lotus. Ok, on continue. C'était qui lui? Je me rappelle plus. C'était pas le mec qui était avec tous ses habits bizarres là? Ouais, c'est lui, voilà. Ok, un seul SSR dans cette multi, et pas ouf. On continue. Et les gars, la dernière multi, let's go. Après, la vidéo sera terminado. Attention. D'ailleurs, les gars, toutes mes multis, toutes mes invocations, je garderai tout pour les prochains persos. Je vais me contenter de ce que j'ai pool aujourd'hui. Ok, bon, lui, on le veut pas malheureusement. Peut-être qu'il y a un deuxième SSR. Et non. Ok. Et ben, on va enregistrer notre petite bannière. Confirmer les résultats. Non, non, non. What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai eu trop peur. Oh, j'ai eu trop peur. J'ai cru que c'était la dernière que je pouvais sélectionner. Ok, on peut sélectionner celle-là. J'ai eu très peur, très très peur. Ok, on confirme. Let's go. Résultat d'invocation. Ok, retour. C'est pas celle-là normalement. Ok, et bah c'est fini. Bah let's go. Et bah les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu en personnage. Et puis, on va se laisser là du coup. Allez, ciao!